nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le chef de l'État des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Budapest, capitale hongroise, dans la journée de ce dimanche 29 septembre de l'année en cours à suivre dans cette session informative. Et puis améliorer les recettes de la justice est la mission que s'est assignée le ministre national et ministre d'État en charge de la justice et garde des sceaux, maître Constant Moutamba. Cependant, le premier président de la Cour de cassation a réuni les parties prenantes pour ce qui concerne la mobilisation des recettes judiciaires. Ici, il a été interdit aux greffiers de percevoir l'argent des justiciables en République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, les ministres, les vice-premiers ministres et ministres en charge de la défense nationale et sécurité, Guy Kabongo, est arrivé dans la troisième zone de défense que Kisangani la journée de ce samedi 28 septembre de l'année en cours. Objectif, redynamiser cette troisième zone de défense, mais aussi donner de nouvelles orientations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo pour en finir avec la guerre dans la partie est du pays. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Ezemo me permet de vous atteindre dès partout à l'ICASI. Je suis Monto Trésor à la présentation de cette énième édition des Bonnes Nouvelles sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire donc qu'en luminaire de cette session informative que le chef d'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Budapest, capitale hongroise, à la journée de ce dimanche 29 septembre de l'année en cours. Objectif pour le chef d'État, redynamiser les relations diplomatiques et ce après la rencontre faite au niveau de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le chef d'État s'y rend à Hongrois, donc dans la capitale hongroise, que Budapest. Ici, il aura plusieurs échanges économiques, mais aussi sur le plan du partenariat bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République hongroise. Suivez. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Frenek-Leeds, où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et le ministre de l'Agriculture à côté. Il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Luabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main. Un sourire de part et d'autre, signe éloquent marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest. Est-ce la fin de ce cycle infernal d'agression que le Rwanda a imposé à la République démocratique du Congo? La question vaut son pesant d'or parce que la communauté des États d'Afrique de l'Est a pris la ferme décision de soumettre à la barre le Rwanda pour que le Rwanda puisse répondre de ses nombreux crimes perpétrés en République démocratique du Congo durant les trois dernières décennies à travers la République démocratique du Congo dans la partie Est via plusieurs mouvements rebelles qui ont écumé la partie Est de la République démocratique du Congo. Cette décision permet au Rwanda d'aller
présenter ses moyens de défense devant la cour de la communauté des États d'Afrique de l'Est située en Tanzanie. Question que le Rwanda puisse répondre face à la République démocratique du Congo de ses nombreux crimes. Suivez. De justice, la communauté des États d'Afrique de l'Est, nouveau front dans l'offensive contre l'agresseur rwandais. La République démocratique du Congo traîne Kigali devant le juge de cette communauté sous-régionale à Arusha, en Tanzanie. La partie congolaise, pour l'audience de ce jeudi 26 septembre, a étayé son argumentaire sur les griefs connus, notamment l'agression dont le pays est victime de son voisin, le Rwanda. Grief conforté par de nombreux documents et vidéos des experts indépendants, y compris ceux des Nations Unies. Des accusations qui mettent en mauvaise posture Kigali à l'image de son journaliste, qui a du mal, dans un reportage, à défendre la position de son pays. Au cours de 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion en 1998 jusqu'au M23 et aussi M23 version 1 et version 2. Sur place à Arusha, le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, suit les procès entouré d'une équipe aguerrie des avocats. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda empêche alors les débats de fond pour se cramponner à la forme en réfutant la déposition de la RDC qui serait écrite en français et non en anglais. Petit débat qui sera résolu pour entamer réellement le fond. À la prochaine. Poursuivons cette session informative. Comme on vous a dit, un luminaire que le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense et sécurité nationale au niveau de la République démocratique du Congo, Guy Kabongo, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, où se trouve la troisième zone de défense. La journée de ce samedi 28 septembre de l'année en cours, objectif, donner des nouvelles orientations à cette troisième zone de défense, redynamiser ces dernières en vue d'en finir avec la guerre dans la partie est de la RDC. Suivez. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, accueille ce samedi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants venus en visite de travail dans la troisième zone de défense et la 31e région militaire. Une première visite officielle dans cette zone, identifiée comme le dernier verrou des FARDC dans la partie est de la République. Focus sur un objectif de la remontée en puissance des FARDC sous l'impulsion du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la Défense nationale s'est engagé dans une gouvernance de proximité avec les unités afin de dénicher les préoccupations profondes qui seront prises en compte dans le nouveau programme de réforme de l'armée et dont les solutions efficaces y seront proposées. À cette occasion, un briefing de sécurité a été organisé par le commandant 3e zone de défense sous l'égide du général-major Mbangu en présence des élus nationaux de la Tchopo ainsi que le gouverneur de province. Dans un climat détendu, les différents intervenants ont présenté leurs desiderata avec des options de faisabilité tout en saluant quelques avancées constatées dans l'amélioration des conditions de vie des militaires et la régularité de leurs ratios. Le patron de la Défense nationale a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le centre de formation et d'entraînement du Kolukusa, où des centaines de jeunes nouvellement recrutés dans l'armée sont en pleine formation. Prodiguant quelques précieux conseils aux recrues, tout en promettant de ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie de militaires et leur redonner leur dignité d'antan. Non loin de là, en Ituri, le vice-ministre de la Défense, Sami Adubango, était présent. Question de pouvoir s'assurer de l'évolution dans le cadre du cessez-le-feu qui avait été signé par le mouvement rebelle Zaïre qui voulait déposer les armes. Question de procéder à l'opération de la démobilisation et réinsertion des forces négatives au sein des forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Cependant, cette procédure peine à se matérialiser. Tous les vice-ministres en charge de la Défense, Sami Adubango, étaient présents dans cette contrée pour s'assurer de l'évolution de ces processus. Suivez.
Localité minière de Mabanga, bastion du groupe armé Zaïre, que le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adubango Aoto, a bouclé sa mission officielle de sensibilisation et d'évaluation de la situation sécuritaire. En face des notables de Mabanga, Sami Adubango a invité la population de l'Ituri à s'opposer à toutes sortes d'invasions étrangères et rappelé aux différents leaders de groupes armés leur engagement signé avec le gouvernement congolais pour la cessation d'hostilité. Il a mis en garde le politicien qui tente de manipuler l'opinion en affirmant que les communautés de l'Ituri sont prêtes à accueillir le terroriste du M23, AFC, RDF. N'ouvrez pas la porte de l'Ituri pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Dénoncez tous ceux qui oseront céder aux manipulations du M23, Rwanda et de Kolenga. Les M ne sont pas les Rwandais. Ce pays n'appartient pas aux Rwandais ou aux Ougandais. Nous sommes des Congolais. Notre président s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Avec le président de la République, Félix, nous avons la ville de Bounia asphaltée. Nous avons l'université de Bounia, pleine construction. Bientôt, nous aurons un aéroport moderne. Le président Félix fait le développement dans chaque coin de la République. Accordons-lui cette possibilité. Les politiciens qui se disent vos protecteurs sont dans les grandes villes et vous laissent souffrir sous la pluie ici à Mabanga. Deux jours avant, le vice-ministre de la Défense était à Guéti, bastion du groupe armé FRPI, où il avait lancé les mêmes messages de mobilisation et de pacification avant de se déplacer en territoire d'Aru, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Sans aucun ombre de doute, le passage de Sami Adubango Aoto dans les territoires du Rumu, Djougou, Maagi, Aru est couronné de succès, car les populations et les groupes armés de l'Ituri ont tous dit non aux terroristes du M23 et réaffirmer leur engagement. Et puis le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, est allé représenter la République démocratique du Congo à cette 11e réunion de l'Association des parlements africains qui s'est tenue au niveau de la Guinée équatoriale. La question de multiplier encore la diplomatie parlementaire sous l'égide du chef de l'État des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette 11e réunion a permis à la République démocratique du Congo de présenter plusieurs mécanismes voulus par le gouvernement de la RDC dans le but de permettre un retour réel de la paix, une collaboration bilatérale avec les différentes nations africaines, mais aussi multiplier des stratégies pour canaliser les ressources minières des différentes nations. Suivez. Sa prise de parole à l'occasion de l'ouverture de ses assises, le speaker de la Chambre haute du Parlement a présenté la carte géographique de la RDC, ses avantages et ses ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. C'était également pour lui l'occasion de transmettre les salutations du président Tshisekedi à son homologue guinéen, le président Théodore Obiang Nguema, par le truchement de Teresa Efoua, président du Sénat de la Guinée équatoriale. Jean-Michel Samalukonde a aussi appelé à plus de solidarité sur les questions des crédits carbone afin d'aider les populations autochtones à la lutte contre la déforestation qui a un rapport direct avec la lutte contre la désertification. Il a proposé le renforcement des mécanismes modernes de traçabilité des minerais, surtout ceux qui entrent dans le cadre de la transition énergétique afin d'éviter leur exploitation illicite et l'alimentation des foyers d'insécurité. Le président du Sénat congolais a enfin appelé à plus d'intégration et de coopération entre les États pour rendre leur économie plus forte et plus résiliente. Il a aussi souscrit à la proposition faite par le président de la Guinée équatoriale en faveur de la création du fonds de la lutte contre le réchauffement climatique. Avant de clore son propos, Samalukonde s'est interrogé sur la possibilité de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation à même d'assurer une bonne exécution des résolutions et recommandations des différentes assises de cette organisation sous-régionale. Plusieurs présidents des Sénats et représentants de pays africains ont pris part à cette cérémonie d'ouverture et les travaux se sont poursuivis en atelier sous la présidence du speaker du Sénat de la RDC en attendant la clôture ce 27 septembre.
Et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lorengine Kingi, lui a reçu une importante délégation de la structure des jeunes parlementaires de la République démocratique du Congo, venu lui présenter son comité national de gestion, mais aussi les différentes réformes impulsées dans le cadre de leur règlement d'ordre intérieur. Suivez donc cet élément de reportage. Les assises ont permis à cette structure de se doter d'un bureau inclusif composé de 10 membres venus des différents regroupements politiques et respectant la géopolitique. Roger Bimoala a précisé que, lors de ces assises, il a été décidé l'organisation de la sortie officielle de cette structure dans les prochains jours. Il a par ailleurs sollicité l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale pour amener les réseaux des jeunes parlementaires vers l'atteinte de ses objectifs. Cette rencontre a permis au président de réaffirmer son soutien au seul et unique réseau des jeunes parlementaires de cette 4e législature. Et durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons faits au niveau de notre bureau. Accompagné du caster Chimène Polipoli et de son adjoint Grace Nehema, les membres de ces réseaux ont présenté leurs préoccupations au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a écouté attentivement les requêtes faites par Roger Bimoala. Il n'y a qu'un seul et unique réseau des jeunes parlementaires lors de cette 4e législature. Malheureusement, nous avons noté que certains collègues, un groupe restreint de collègues, faisaient une opposition sourde, une opposition mineure. Et la rencontre aujourd'hui avec l'honorable président a permis de confirmer l'existence de ce réseau. Un bon père des familles et du haut de son expérience parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ces jeunes députés nationaux pétris d'ambition. Vital Kamerhe les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité les travaux abattus par ces réseaux en quelques jours. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale s'est dit disponible à s'impliquer davantage dans l'accompagnement de ces réseaux. Restons toujours à la chambre basse du Parlement où le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lorengine Kingi, a signé un ordre d'émission envoyant 6 députés pour une enquête parlementaire au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi à l'initiative de la députée nationale Titi Mbia Lubuya qui a saisi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur la situation liée à la disparition d'un agent de l'entreprise minière Rubamine. Cet agent a disparu depuis le 14 août dernier. Est introuvable ni chez lui à la maison, moins encore sur téléphone, parce que, ayant été pris mano militari par des hommes en uniforme, d'après la version de la famille, au sein de l'entreprise pour une destination inconnue, alors que du côté de l'entreprise, on réfute ces allégations. Cependant, cette commission sera constituée des 6 plutôt députés nationaux. Il s'agit du député Donatien Muloko qui sera de la partie, la députée nationale Titi Mbia Lubuya, élue de la montagneuse ville d'Elikasi et initiatrice de cette démarche, mais aussi les députés Jacques Simenjinga, donc qui sera aussi de la partie, les députés Juvenal Kitungwa qui sera de la partie, les députés John Mbonda et la députée Pauline Ingwabi. Ce sont là les députés qui vont faire la descente, sauf changement des dernières minutes. La journée dès ce lundi 30 septembre au niveau de l'hôtel de ville d'Elikasi qui essaie de présenter leur civilité auprès du premier citoyen de la ville d'Elikasi avant les débuts de leur mission dans la montagneuse ville d'Elikasi, car la mission va devoir se clôturer la journée du 7 octobre prochain, à suivre dans nos prochaines éditions. Direction la primature de la République démocratique du Congo, la première ministre de la RDC, Judith Etolo Kasumino, a lancé officiellement l'annuaire alphabétique et numérique de l'administration publique à travers la République démocratique du Congo, qui permettra de juguler les agents fictifs de l'administration publique en RDC, mais aussi établir les ABC pouvant permettre le bon fonctionnement de l'administration publique à travers la République démocratique du Congo. C'était la journée de ce 27 septembre de l'année en cours sous l'égide du vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lia. Vous suivez. L'un des objectifs majeurs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique,
modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique. Aujourd'hui est un jour véritablement grand, inscrit en lettres d'or. Pour la première ministre Jilita Suminotuluka, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines en permettant une meilleure connaissance des effectifs. L'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer des ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, la chef du gouvernement a engagé le vice-premier ministre Liaou à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État à travers l'ensemble du pays. Je me réjouis donc que grâce aux efforts jusqu'ici consentis, notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité, après plusieurs décennies de cafouillage et de cacophonie notoire dans la situation des effectifs de nos services publics. La publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons longté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays. L'un des bénéfices attendus de cette initiative est la réalisation d'économies substantielles. En éliminant les doublons et les agents fictifs, l'État pourra réduire ses dépenses inutiles et réorienter ses fonds vers des investissements plus productifs, comme l'amélioration des salaires des véritables fonctionnaires. Cela va non seulement améliorer les morales des employés, mais aussi renforcer la confiance des Congolais envers leurs institutions. Poursuivons cette session informative avec cette nouvelle, comme on vous a dit, un luminaire de cette session informative, mais cette fois-là, ça sera en bref et en image sur les antennes de la centrale radio-télévision avec le ministère de la Justice et garde des Sceaux, de maître Constant Moutamba qui milite pour l'amélioration des recettes de la justice à travers la République démocratique du Congo, à travers le guichet unique qui avait été établi pour que la bancarisation puisse être opérationnelle à travers la République démocratique du Congo, des recettes liées à la justice. Cependant, le président ou le premier président de la Cour des cassations a organisé une importante rencontre avec toutes les parties prenantes pour établir les distinguos de ces recettes liées à la justice à travers la République démocratique du Congo. Les responsables de la DGRAD, de la Cour des comptes et bien d'autres étaient présents. Question de pouvoir participer à cette importante rencontre qui a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la salle Marcel Liaou, dans les buts d'éclairer la lanterne des uns des autres. Ici, il a été interdit aux greffiers des différents tribunaux de la République démocratique du Congo de percevoir l'argent des justiciables. Question de permettre la canalisation de toutes ces recettes dans la bancarisation établie par le ministère national des justices. Un élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines éditions. Revenons dans la montagneuse ville d'Likasi où une importante rencontre sur l'indépendance spirituelle a vécu dans la salle des fêtes La Perle au niveau de la montagneuse ville d'Likasi la journée dès ce samedi 28 septembre dès l'année en cours sous l'égide de la plateforme des églises des Noirs fondée par les prophètes africains qui a organisé une importante conférence à débat dans la montagneuse ville d'Likasi à laquelle plusieurs autorités politico-administratives de la montagneuse ville d'Likasi ont pris part question de pouvoir apprendre comment sauter déterminé sur le plan spirituel à travers la République démocratique du Congo. Suivez. Comment sortir la RDC dans la misère et les sujets qui étaient au centre des conférences débats organisées par les églises spirituelles des Noirs de Likasi dans un cadre local. La journée de ce samedi 28 septembre 2024, l'objectif principal était d'expliquer à l'homme noir les stratégies à mettre en exergue pour délivrer la RDC dans la misère, car les combats qu'elle mène
n'est pas charnel, mais plutôt spirituel. Mise en place terminée. Apôtre Kibwako Kasomwe, coordonnateur principal des églises des Noirs en Afrique, va lancer les hostilités de ces rendez-vous. Congo, coordination des églises spirituelles des Noirs fondées par les prophètes africains. CSFEPA, comité directeur, plateforme enregistrée par certificat numéro 0156. /042/2021. Province du Haut-Katanga, ville de Likasi, numéro 18 bis, avenue Rwanda, commune de Kipula. Préparation effective de la conférence. Très chers compatriotes, parlons du Congo car son problème est tellement spirituel. Ce vaste pays au cœur de l'Afrique, dont la crème pensante mondiale le qualifie de pays solution. Solution à tous les problèmes que cette planète pourrait rencontrer dans le futur, sans oublier les richesses incommensurables que Dieu l'a dotées. S'en suivra à celui de l'évêque Mwinkeo qui va énumérer l'objectif poursuivi par cette plateforme. L'autorité et tout, les gouvernements indiens qui les vont imposer sur les plans spirituels. Mais vous savez, moi, les autorités va mine. Mais qu'on a mesuré, tout y a pu diriger l'Inde. Il faut bender pour pas qu'on connecte pour ma science étrangère, pour ma religion étrangère. Quoi moufano, barose croix, quoi moufano, battre la franc-maçonnerie. Kabana ji engagé kule, bana ji engagé comme esprit étranger. Aïwezi kuleta, kubakaburia ma conjonction mzuri tu ya inchi yetu. C'est pourquoi vous avez remarqué, kuku natoka ma conjonction, ya ile manfranga, ba ipeleke paka kule, kuma pays étranger, baka yenge kule, baka yifuchike kule, ba développer ma inchi ya... Le moment propice arrive pour tabler les différentes idées, question d'y trouver la solution au problème qui ronge la RDC. En tant que Congolais, nous devons d'abord s'aimer. Et les Congolais remplis de traite, nous sommes capables de se trahir entre nous. Et de nos jours, on est en train de façonner des religions, question de diviser les nations. Et de nos jours, il y a, parlant des prophéties, on s'est rendu compte que nous, en tant que Noirs, nous sommes loin de la réalité. Manaké, si il n'y a pas de Congo, il y a des politiciens, mais si le peuple, tout le monde a été en train de se faire. Tout le monde a été en train de se faire. Mais on a été en train de se faire. Si les uns ont jeté le pierre aux dirigeants du pays, d'autres par contre condamneront ceux derniers qui sont responsables de la situation précaire que traverse la RDC. Inakuya kusema kama mzazi yako anakutuma na pera anakutuma ichika pele kia peri ni baba yako waro. Babi yana tunakotona amri ile Mungu alisemaka heshimia baba yako na mama yako, maisha yako itakuwa ya bati ya baraka ndani ya dunia Mungu alikuweka. A partir ya pale bale bangambo barikuyaka na ile uwezo wa kuchunga kile tu bale barikuya mu tradition. Barangaria batoto banakuya na akili ya kigeni. Banasema kuna namuna kwezi kubachia hii utajiri. Mambo ya Mungu ni utajiri. Mambo ya Mungu abeyachi yake ni porte ki. Apôtre Kibwako appelle les Congolais à se connecter au Dieu de l'homme noir en lieu et place des dieux étrangers. Inatulomba shiba ma église. Indépendance akuna Malaika atakuyaka pampepo. Ma esprit yote ya la prophète itedienkarne ndani ya shi bantu. Mena ma evre yabo tunanja kuyonia ndani ya nini ya bantu. Place à présent, rappel des titres.
Le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Budapest, capitale hongroise, à la journée de ce dimanche 29 septembre dès l'année en cours dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux nations. Il a été accueilli à l'aéroport international de Budapest par le ministre hongrois de l'Agriculture, un élément que vous avez suivi dans cette édition des Bonnes Nouvelles. Et puis vous avez suivi que améliorer les recettes de la justice à travers la République démocratique du Congo est la mission qui ne cesse de s'assigner. Les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutambas, pendant le premier président de la Cour de cassation, a réuni les parties prenantes pour établir la différence entre les frais de justice et les autres frais liés au fonctionnement de l'appareil judiciaire à travers la République démocratique du Congo. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Pendant ce temps, les vice-premiers ministres et ministres en charge de la défense, Guy Kabongo, est arrivé au niveau, bien évidemment, de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, où se trouve la troisième zone de défense à travers la République démocratique du Congo, dans le but de redynamiser cette troisième zone de défense, mais aussi donner des nouvelles orientations dans le but de juguler l'insécurité dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de vos nouvelles. Madame, Monsieur, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez aimé, dit. Donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également à toutes, merci et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.